You know what she did? Your canting daughter! Tess, il n'y a rien du tout. Tu trouves pas que je suis belle, Logan? Mais pas beau de cogner sur une dame et... J'ai vraiment besoin de vous présenter le film après une scène pareille. Si vous n'avez pas envie de le voir, je peux plus rien pour vous. Mais je vais quand même le faire. Et avant tout, je vais dédicacer cette vidéo à ma mère, parce que je sais que Le Premier Pouvoir, c'est un film qu'elle adore. Donc, maman, c'est pour toi. Le film est écrit et réalisé par Robert Resnikoff, qui, selon IMDb, n'a fait que ça. Un seul film. Bon, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Le Premier Pouvoir va nous plonger à Los Angeles avec Lou Diamond Phillips, je vous ai sorti un blast des années 90 là, qui est à la poursuite d'un tueur, en série qui a assassiné de nombreuses personnes et va finalement réussir à l'attraper et à le faire condamner à mort. Seulement quelques jours avant l'exécution du tueur, il reçoit un coup de téléphone d'une femme qui lui demande de ne surtout pas le tuer. Évidemment, bon, il n'en tient pas rigueur. Le meurtrier est exécuté. Mais le problème, c'est que quelques jours plus tard, les mêmes meurtres recommencent et il semblerait bien que le meurtrier soit sorti de sa tombe. C'est juste des spasmes. Comme une poule quand tu lui coupes la tête. Pareil, ça, Le Premier Pouvoir, c'est un film que j'avais vu, j'étais vraiment petit, grâce à ma mère justement, qui le regardait assez régulièrement. C'est un film qui l'avait beaucoup marqué et moi j'avais quelques souvenirs, notamment la scène que je vous ai montrée en intro, et je me souvenais d'un film assez audacieux. Bon alors, c'est comme énormément de films qu'on voit quand on est petit, les souvenirs d'enfance enjolivent un petit peu le truc. Le film n'est pas mauvais. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, même un très bon moment. Il a une saveur années 90. Bon, je l'ai vu en VF, il est trouvable sur YouTube en version française, donc dans une qualité assez dégueulasse. Mais j'ai récemment vu à la Fnac qu'il avait été édité en DVD ou en Blu-ray, donc j'envisage peut-être un achat. Le Premier Pouvoir, c'est un film qui va mêler un petit peu d'occultisme, un petit peu d'horreur et un petit peu de thriller. Puisque le tueur, donc, va avoir des pouvoirs, il va avoir trois pouvoirs, le fait d'être, de pouvoir posséder n'importe qui, de pouvoir se téléporter, et enfin d'être immortel ou quasi immortel. Ce qui va donner lieu à des scènes assez intéressantes, même si bon, le film a 32 ans, il ne pouvait pas se permettre énormément de folie visuelle, parce que j'imagine qu'ils n'avaient pas non plus un budget illimité. J'ai quand même été un peu frustré, parce que je me souvenais de plus de scènes choc. Et le film commence réellement à se lâcher
20 minutes avant la fin, ce que je trouve assez dommage quand même. Ils exploitent qu'à moitié le délire en fait, parce que le tueur a quand même la possibilité d'être qui il veut et d'être où il veut. Donc ça aurait pu donner des scènes complètement folles où il pourrait posséder des enfants, pourquoi pas des animaux, être tout le temps là à harceler le flic interprété par Lou Diamond Phillips, qui en VF à la voix est doublée par la même personne qui double Jack Chan. Alors je suis pas très très fort en comédien de doublage, donc je ne saurais pas citer son nom, mais si vous voyez le film, vous saurez de qui je parle. Donc ouais, ça a été quand même une... J'avais de meilleurs souvenirs, mais j'ai quand même passé un bon moment. C'est un film qui va mêler, comme je l'ai dit, bon bah thriller avec quelques scènes de poursuite, quelques scènes assez glauques. Et on va quand même essayer de construire un minimum les personnages. Le personnage du héros a vécu un traumatisme. Le personnage du tueur a un background aussi, un petit peu sordide d'ailleurs. Le rôle féminin, bon bah voilà. Pas grand chose de particulier, elle est jolie et elle entame une amourette avec le héros évidemment, parce qu'ils sont quand même à la traque d'un, à la recherche d'un tueur, mais il faut quand même se balancer quelques punchlines et se draguer, on est dans les années 90. Donc ouais, franchement Le Premier Pouvoir, je l'ai quand même revu avec plaisir. Ça fait partie de ces films que je voyais enfant, comme Trog, dont j'ai parlé il y a quelques jours, et donc j'avais un assez bon souvenir. Donc Le Premier Pouvoir, c'est quand même un film qui respire les années 90, qui avait des idées, pas beaucoup de budget pour les mettre en scène, mais on sent quand même une démarche sincère, le film est efficace. Donc je peux que vous le conseiller. Si vous l'avez déjà vu, bah, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bah nous, sinon, on se retrouve demain pour un nouveau film d'horreur. Ciao! Jack!